Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer dans un document quatre zones de texte qui vont pouvoir se synchroniser dès que l'on modifie la première zone. Exemple, ici je vais rajouter le nom de l'école et quand je clique sur « Synchroniser les étiquettes », cette expression « le nom de l'école » va apparaître ici dans chacune des étiquettes. Donc c'est très pratique quand on veut rédiger rapidement un petit mot pour les parents, imprimé sur une feuille A4 en quatre parties pour gagner du temps. On peut ajouter également des images. Ici, vous voyez, je vais choisir par exemple un petit soleil. Si je mets un petit soleil ici et que je synchronise, eh bien on va retrouver un petit soleil sur les quatre mots. Donc ça fonctionne également avec un logo d'école. Nous allons voir comment créer quatre zones comme ceci avec la suite LibreOffice en utilisant le mode étiquette. Donc pour cela, je vais faire fichier, nouveau, étiquette. Dans le premier onglet étiquette, vous pouvez taper votre texte tel que vous voulez qu'il apparaisse dans votre étiquette. Ensuite, dans « Options », c'est-à-dire le troisième onglet, veillez à cocher « Page entière » et « Synchroniser le contenu ». Au niveau du format, voici les différentes mesures que vous devez prendre pour que vous ayez quatre étiquettes disposées correctement sur une page A4. Alors, chacune des étiquettes fera 12,5 sur 8,5 de hauteur. Indiquez bien deux colonnes et deux lignes. Mettez la largeur en mode portrait et la hauteur 21. Il suffit ensuite de cliquer sur Nouveau document et apparaissent ici votre texte. Alors pour faire apparaître vos étiquettes, on va cliquer ici et on va mettre une bordure à l'étiquette de façon à pouvoir voir les étiquettes. Dès qu'on modifie, par exemple ici je vais faire un petit retrait. Vous voyez, pour ne pas coller le texte à la bordure, et puis je vais faire un retour à la ligne. Quand je clique sur « Synchroniser les étiquettes », eh bien, toutes mes étiquettes sont synchronisées. Donc je peux rajouter le nom de l'école. Et puis je vais mettre également un petit logo, comme ceci. Voilà, je synchronise. Et je retrouve mes quatre mots sur ma page A4. Alors, pour des raisons évidentes de découpage, on va mettre ici une petite ligne qui va nous servir de repère pour découper au massicot. Alors, on va le mettre en pointillé, comme ceci. Voilà. Alors, pour que la ligne soit droite, n'oubliez pas d'enfoncer la touche majuscule pendant que vous tirez votre trait. Il suffit ensuite d'enregistrer votre document. On va l'appeler par exemple 4 mots sur une page. Vous l'enregistrez comme ceci. Quand on va le réouvrir, que va-t-il se passer ? Eh bien, nous allons réouvrir notre document qui s'appelle 4 mots sur une page, comme ceci, tout simplement. Et on n'aura plus qu'à modifier le texte. Par exemple, le logo de mon école. On synchronise et vous voyez que on aura 4 fois la même chose. Il suffit d'enregistrer.